Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nous, informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Mais nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Tout matériel non létal, tout ça veut dire des matériels qui parlent qui gâtent le monde. C'est nous-mêmes qui la pour porter. C'est nous qui portons matériel létal, ça veut dire des âmes qui l'ont gâté le monde. Ça veut dire, c'est nous qui avons le contrôle. Parce que nous sommes mentés pour ça. Nous prenons engagement devant le peuple pour ça. Nous comptons sur nous. Comptez sur moi. Programme qui commence à faire, j'aime ce 10 policiers qui sont salués mieux là. Programme qui commence à faire dans les affaires coopératives là, on déjà à pousser avec parce que nous avons une coopérative là pour un pied qui t'a qu'à permettre. Nos policiers besoin, on dit un petit tour de prêté. On n'est pas obligé de faire des marches. Mais c'est bien coopérative, parle. Les gains mutuels, parle. Côté de faire cotisation, parle. Moi-même, dans plus haut niveau de l'État, nous décidons de mettre un montant la donne. Je ne sais combien que le ministère des Finances a décidé de mettre un cob la donne pour vous. Mais travail pour que la coopérative la monte. Donc, policiers ont une urgence. Depuis le membre coopérative, il dit volontaire, hein? C'est souvelé. Mais on n'est pas obligé de marcher, à prêter dans mes amis, à prendre un coup de poing, coopérative ou tout là, pour c'est vous. Depuis nous, regardez. Depuis nous sommes ici, que nous ne comprenons pas. Bâton. Parce que pas quitter qu'un bail une brampier qu'à voir dans les boumdans de procéder, j'ai obligé à faire coopération pour nous déloger vagabond. Moins d'accasant, mettez-y. Et puis, connaître nous derrière nous. Jean, PM n'a pas décision faire aujourd'hui. Je pense que son bon activité pour encourager nous. C'est un travail difficile ça que nous avons fait. Mais même comme président, toujours là pour nous, pour nous tendre nous. Pour nous travailler ensemble. Parce que, tant qu'il était maintenant, on va aller. Mais structure que je mets en place, je vais mettre une structure pour nous. Pour que nous entendions. L'homme de dérapé en pile, le monde dit, ah, ça président dit là, c'est pas vrai. Et bien, je dis, Dieu, j'ai contre. Moi, je dis, papa. Le programme, on a dérapé. Coopérative, là, pour forme. Caillou, moi. C'est ça, paye. Moi, pour faire base, Caillou, venez déjà. Moi-même, technologie, ça m'a dit quoi, c'est vrai. C'est m'a dit quoi, c'est quand il a fait vite comme ça. J'en vois pas le monter de l'ingénieur. Mais là, on voit une vidéo, moi, Mexique. Au Mexique, ils ont construit presque 1 million d'appartements dans l'année. Ça veut dire, petit bagage, ça, c'est bon, bah, c'est simple. Haïti, nous avons même 100 000 maisons. Ça veut dire, pour montrer comment, si technologie, ça a développé net, si nous, il est cherché moyen. J'aime comment c'est fait. L'argent qui était dans mon petit groupe, moun, je dis à la fois, je mettre dans le tout le monde. Dans l'eau, nous fouillons, mais nous prenons même 13 millions. Nous prenons 13 millions, nous mettons au service. Et nous profiter, remercier l'ambassade Japon qui mettait 1 500 000 dollars. Ça fait 14 500 000. Et ma boue fouille, j'ai gardé tout pour mettre ça bien dans l'eau. Parce que bon gros tir reste dans l'eau. Un gros tir reste. Pour nous mettre tout. Qui quantité parce que ça nous prend là pour faire 600 appartements. Si bon gros tirs, on va le vivre et je garde l'eau. Dès qu'on fait l'autre 2000 appartements, on non 2000 ou 3000, on va m'aller. On a quitté un bon moyen pour nous, pour ne pas avoir des soucis. Parfois, on est obligé de mettre chaque nous dans le plan pour nous décaler. On connaît exactement tout le bruit que nous prenons. L'école l'ouvre pour nous mettre des petits dans l'école. Et nous avons une famille qui est malade ou qui est mourue. Mais on est ça. Mais indifférent par rapport à eux. C'est pour ça que nous avons goûté avec le nouveau leadership PNH pour nous mettre avec le Premier ministre, pour nous mettre des instruments qui permettent de nous capables de mettre un apaisement dans la situation pour la police. Nous avons le commissariat Kafou. Le commissariat Kafou, que nous connaissons qui s'appelle de bravoure, que nous avons fait la semaine dernière là, que nous sommes capables de faire des gens Kafou dans l'inquiétude. Nous avons pris les policiers Karl Henri Barthelmy, dans le nom de tous les policiers Kafou. Alors, plaque là, je vais faire lecture pour nous. Honneur et mérite, sous-applaudissements. Sous-applaudissements. Pour ce travail, ça a été fait la semaine dernière là.
honneur émérite à Karl-Henri Barthélemy, agent de la police nationale d'Haïti, matricule 15-26-02-14-33-4, pour sa bravoure et son acte héroïque en vue de protéger au péril de sa vie la population et ses coéquipiers du commissariat de Carrefour. Fait à Montréal, le 18 décembre 2020, Joseph Jouk, Premier ministre, président du CFP. Monsieur Léger. Comme ancien parlementaire, j'ai été accroché avec procédure que la Constitution a tracée pour que vous ayez amendé. Mais nous conscients que il y a des problèmes d'application au niveau de la Constitution. J'aime ça dire, il y a un pile et conflit d'autorité. Par exemple, la Constitution crée un pile d'autorité mais sans pouvoir. Ok, et question trésor public tout pour payer élu ça yo, nombre d'élus que constitution à travers de postes qu'il crée yo. Donc c'est un pile quoi pour trésor public. Non, nous mêmes non pour que vraiment il y ait de changements qui fait au niveau constitution, mais toujours est-il, ça doit être fait dans le cadre d'un consensus, dans le cadre d'un compromis avec les différentes forces vives de la nation. Ce n'est pas une constitution qui a fait avec un secteur, j'ai que l'été fait en 87, une constitution qui était faite que pour te dire que ma coûte pas la donne, en majeure partie. Donc, nous voulons son constitution vraiment que côté tout secteur de la vie nationale, il y a un mot par pour dire, parce que constitution, son constitution qui pourra appliquer sous population. Donc, il faut qu'il y ait en conformité, sentir à l'aise avec la Constitution. Ça. C'est vrai qu'il y a un phénomène d'insécurité grandissante, nous sommes capables de dire, et au niveau pays, pas même dit dans des zones de non-droit, ou presque dit l'international, parce que chaque côté dans le département a une poche d'insécurité. Et moi, je vois que l'actuelle autorité au niveau du haut état-major de la police, il y a une détermination pour que yo éradiquer les questions banditisme. Donc moi m'a encouragé eux, même souhaité que parallèlement tout le pouvoir exécutif dans deux zones que yo dit surtout zones vulnérables, yo gon plan pour que zone ça yo aller pour porter aide bah population ça yo créer de travaux à haute intensité de main d'œuvre, surtout nous en fête de fin d'année de famille qui fait yo complice de bandits. C'est parce que bandits aller comme sauveur dans certaines zones, c'est comme c'est eux même qui agent social. Donc ministère affaires sociales doué vraiment pas un ministère de nom, faut que le mette pied la terre, faut que nous tendez que autorité ça à travers zone de non droit yo, zone défavorisée yo, gon vaste campagne que a fait de travail à haute intensité de main d'œuvre, de côté qui doit bailler de aide alimentaire, de ratio sèche pour que yo pote bay population dans période surtout fête de fin d'année, côté que famille yo appauvri, yo pas de rien, parce que dans pile cas de kidnapping qui t'a fait, et ça vient faire qu'on diminution au niveau du secteur des affaires. OK. Pour ça nous vous dire là nous avons gagné de rencontre virtuelle, on a fait surtout vraiment un zoom avec de et personnalité, toujours dans le cadre des consultations, débats, comités à faire, dans le cadre de comment ça passe pour journée. Ok. Et je veux dire, c'est ça, nous, les bracelités. Parce que, pas oublier que nous avons pour élaborer un projet de constitution. Alors, pour élaborer le projet, et nous d'abord voulons élaborer un avant-projet que nous pouvons soumettre à la population, toute organisation société civile, et en Haïti et dans la diaspora, des personnalités ici et dans la diaspora. Donc, et pour nous faire avant projet, nous sommes obligés de consulter toute documentation qui existait entre 2007 et jusqu'à 2020. Il y a plusieurs gros rapports qui sont faits dans le domaine. Non? Et ensuite, et à partir de données, nous prenons un rapport. Yo, et nous faisons programmation et nous prenons une série de points côté que nous voulons approfondir. Donc c'est ça que nous avons une série de rencontres avec des experts.
Et nous pas fait seulement ça, nous avons fait des rencontres que nous avons des focus group ou bien des brainstorming. Et vous brassez l'idée. Donc je veux dire, c'était vraiment un gros brassez l'idée sur question économique et sociale et comment nous sommes capables, toute bagarre sont capables de traduire en dans la constitution. À qui nous avons rencontré là? Et en fait, c'est gagné plusieurs panélistes. C'est gagné Paul La Tortue qui était supposé la main, qui a un problème au dernier moment. C'est gagné un docteur Fernandez, un haïtien qui a vécu à Montréal, madame Masson Jepenois. Et puis gagné Burns, son haïtien qui a vécu Washington. Qui était intervenu sur la question économique, mais sinon, comme c'était un brainstorming, c'est gagné plusieurs autres intervenants et en France, au Canada, y compris Jamaïque, qui était en ligne, et puis en Haïti. Ce n'est pas des vraies rencontres, c'est des brainstorming. Et jeudi passé, nous avons fait un brainstorming en présentiel avec quelques économistes. Et il y a des labos secteurs supposés là qui partent là, mais pas de nous avons capable de. Et donc c'est réflexion sur le cap mené pour que nous sommes capables d'arriver et ouais la constitution comment nous mettre des dispositions qui permettent que la vie économique noire est capable de réguler. Mm-hmm. Jusqu'à présent, nous avons rencontré deux monde qui a fait une idée de ça qui fait en termes de bilan. Ok. Dernière rencontre, alors je dis à noter qu'il y a une dernière rencontre. Et le mardi, nous avons deux rencontres. Nous avons une rencontre avec Défenseur Plus et le matin. Et l'après-midi, il y a un thème qui était peu développé, y compris dans le rapport antérieur et dans la discussion que nous avons, mais qui nous venons être très important, c'est la question de défense. La question de défense là, c'est territoire là, comment nous défendons le territoire là. Et quelle institution qui est chargée pour faire, qui mécanisme d'intervention que le gain, qui protection pour institution de l'armée gagne. Et gagner intérêt stratégique que nous gagnons. Donc, toute question et protection installation commerciale nous, et protection route yo, et protection et activité en grand territoire. Yo. Donc ça c'est l'État qui pour protéger yo. Et ça n'est des intérêts stratégiques et territoire là tout gagner d'un coup au capable bien des côtés où tant de monde pas passer. Et le monde pas passer, ça veut dire que c'est toute activité économique à la fois dans la zone là, ou bien activité économique de capital là, et l'autre zone là, qui bloqué. Et ça, c'est question de l'État, c'est question de territoire, c'est question d'intérêt stratégique. Et donc, c'est une question que nous ne sommes pas capables de quitter comme ça. Et puisque c'est une condition pour que l'économie nous soit capable de développer, parce que y a un monde qui fait une entreprise, il ne va pas arrêter comme ça, et puis du jour au demain, le monde débarque et puis au boulet. Et ou bien on calme à passer et puis yo plan. Donc ça c'est des questions que nous devons aborder et pour que nous sécurisons, nous protéger l'investissement et nous protéger monde cap circuler dans le territoire là. Connexion avec constitution, c'est au niveau institution. Yo. Parce que nous avons tout problème que nous gagnons, question dans l'éducation, question dans l'économie. Dans l'économie, en même matin, c'est comme c'était question économique et sociale. Tu as une pile de discussions qui ont été faites sur question et marché noir, sur spéculation sur prix. Chacun fait que c'est prix qui a gagné, incapacité de l'État à gagner pour être capable de contrôler les vagues. Parce que c'est dommage que de tous côtés, qui permet. Même si on a une économie libérale, mais on n'est pas capable. Fait marché noir, ou pas qu'à fixer prix ou jongler, et même si on ou pas qu'à faire entente pour fixer prix. Donc on pas qu'à faire des négociations secrètes pour capable faire acheter sous produit. Donc tout ça va contrôler. Donc on y a là, la constitution, c'est comment capable renforcer les institutions pour être capable de jouer rôle de contrôle, rôle de régulation, rôle de sanction pour être capable de jouer. Maintenant, et en la constitution, comment ça traduit? Donc c'est indépendance. Premier enjeu qu'on pourrait traduire dans la Constitution, c'est question renforcer indépendance
institution. Ça veut dire une institution, il faut que il n'y pas marré dans pied table, qui que ce soit. Faut que c'est pas politicien qui a bail l'ordre. Faut que c'est pas gros commerçant qui a bail l'ordre. Faut que lui-même, ses lois, ses règlements, ses normes qu'il a pas appliqué, il va faire en toute indépendance. Et deuxième enjeu, que en la constitution, on apprend à bien des mécanismes qui protéger toujours l'institution, c'est question garantie expertise dans l'institution, garantie efficacité institution et garantie compétence monde qui est dans l'institution. Et pour ça, il y a deux leviers fondamentaux que nous avons essayé de travailler sur eux. Enfin, donc, à toute réflexion, on a été sur eux, c'est question système de nomination ou bien système d'élection. Donc, si dans la façon aussi que vous pas garanti l'indépendance moun yo dans la façon que vous avez nommé et là vous nommé et la façon carrière yo a déroulé, eh bien c'est la même chose parce qu'il y a toujours dépendre, il y a toujours marié dans pied table yon moun ou bien un secteur. Donc c'est ça que dans la constitution on voulait et en tout cas toute discussion était portée sur ça. Deuxième bail qui doit garantir l'indépendance institution yo, c'est question budget. Donc c'est une institution indépendante, les autonomes, mais les budgets n'est pas autonome au niveau budget. Parce qu'il y a un droit à couper le budget, il y a un droit à ne pas faire des questions pour lui. Et donc finalement, c'est pour si que le pas prendre des décisions qui correspondent avec le monde qui a autorisé par exemple. Donc dans la constitution, on peut gagner des mécanismes à mettre en place pour que là où une institution indépendante, elle est vraiment indépendante, ça veut dire que le monde, la façon dont le monde là-dedans. Il y a limité l'influence politique, il y a limité l'influence secteur économique qui est puissant, qui est hégémonique dans la société. Il y a garanti maintenant une stabilité en quoi, pendant que et un salaire tout qui pendant que l'on en fonction. Donc ça, c'est bien qui est capable constitution capable garantir renforcer le système de nomination. Et pour le budget à tout, il y a des mécanismes pour mettre en place, pour prévoir, mettons, un budget, une institution qui est capable de gagner, et sous 2-3 ans, et qui avec des grands objectifs que vous fixez. À ce moment-là, c'est pas chaque année que vous décidez, bah, ou bien pas bah, ou bien augmenter ou réduire en fonction des influences politiques, institutions, ou bien monde qui la donne, mais qu'il y a des mécanismes qui sont en place pour capable capable garantir un budget normal. Et troisième barrière qui était discuté, mais hier, aujourd'hui, c'est question que nous devons faire promotion mœurs qui correspondent avec l'esprit institution. Parce qu'en fait, l'institution, c'est le monde qui l'a donné. Mais il y a un état d'esprit pour nous gagner pour que l'institution soit capable de marcher. Donc il faut que nous ayons déjà un climat de confiance qui doit établi entre acteurs qui ont joué, qui ont exercé le pouvoir. Donc il faut que le président, chambre députée ou le président Cour des comptes les fait premier ministre confiance et plus de ça. Ça, c'est le bagage. Deuxième bagage, c'est que faut qu'il y ait un esprit d'entente, il faut un esprit de collaboration, il faut un esprit de coopération. Donc, or, la CAI par nous, en général, c'est une méfiance qui est établie. Il n'y a pas fait de confiance. Deuxièmement, c'est une question de affrontement ou bien confrontation. Donc, mais ça, c'est des cultures que nous avons qui ne correspondent pas du tout avec l'esprit institutionnel. Parce que même si vous avez établi des frontières très, très étanches entre institutions, mais en fait, finalité, c'est collaborer pour capable de délivrer service ou de délivrer. Dans le cadre de la pandémie, et plus particulièrement dans le cadre de toute épidémie qui a gagné, parce que ce n'est pas seulement COVID-19 qui a gagné, dans le cadre particulièrement toute épidémie qui a gagné, nous comptons inaugurer aujourd'hui un centre de quarantaine, un poste de quarantaine qui est au niveau de l'aéroport international Maïgaté, Toussaint Louverture, Maïgaté. Et qui est un poste de quarantaine? Je pense que le directeur a mieux expliqué qui est un poste de quarantaine, qui est au niveau d'un aéroport. Mais ça me voulait dire que le poste de quarantaine, ça son début lié, son premier au niveau de l'aéroport, il y a deux chambres et puis il y a un espace administratif, etc. pour capable accueillir les gens, par exemple dans le cadre du COVID-19, pour accueillir les gens qui ont gagné des signes
et qui t'a dit que c'est COVID-19 que vous avez gagné. Et avec une impression clinique de COVID-19 pour nous capables d'accueillir là en transit en attendant que soit nous font prélèvement pour là ou bien que nous voyons nos structures, on leur structure hospitalière de prise en charge, par exemple dans le cadre du COVID, de prise en charge du COVID que nous voyons là, dans son structure tampon. Alors Jean Directeur a dit, en janvier, si nous songez bien, nous avons gagné un avion qui était atterri avec des Chinois. Et ça te porte en panique en général dans le pays. Hein? Et bien si nous avons une structure ça, nous avons fait mon sao, rester là en attendant que nous sommes capables de faire investigation sur eux pour nous connaître si nous avons de potentiels cas de COVID-19. Donc c'est dans le cadre ça que nous sommes là aujourd'hui, hein? C'est dans l'inauguration, poste de quarantaine. C'est le premier poste de quarantaine de l'aéroport. Aéroport international pour que j'aime un poste de quarantaine. Sous passe, par exemple, dans tous les grands aéroports internationaux, toujours un poste de santé et toujours un poste de quarantaine. Donc c'est le premier poste. Hein? Et avec capacité d'expansion, mais nous avons deux chambres qui sont capables d'accueillir pour le moment quatre patients. Donc c'est le contexte. Le poste, c'est seulement quatre patients pour la capacité d'accueil? Pour le moment, parce que ce ne sont pas des patients qui vont rester. Ce sont des patients qui sont en transit. Ils vont passer combien de temps au poste de quarantaine? Quelques heures. Quelques heures. Ok? Dynamique de population, hein? En masse. Ils ont respecté tout le bagage, ils ont respecté les mesures barrières. Et c'est ça qui fait que nous arrivons, nous n'en point que nous y sommes là, que nous n'avons pas gagné en catastrophe. Que nous gagnons cas. Donc, maintenant, des populations hein, pour être capables de toujours continuer à respecter les mesures barrières. Et qui ça y est? Premièrement, c'est toujours laver mes mains. Laver mes mains de temps en temps. Hélène a fait laver pendant 20 secondes. Ok? Avec de l'eau, avec savon. Et si pas gain de l'eau avec savon, on est capable d'utiliser une structure à base d'alcool pour capable laver même. Deuxièmement, porter masque là. Porter masque là. Dans pile pays, il y a que ces masques là qui permettent de réduire la propagation du virus. Là. Donc porter masque, nous remarquons que en pile monde pas veut mettre masque. Et porter masque là bien. Ça veut dire faut masque là couvrir. Néon, il commence à couvrir non jusqu'en bas menton. Donc c'est le deuxième bagaille. Troisièmement, si on a un signe avec symptômes, par exemple la toussée, il a la fièvre, la prend à l'hôpital pour le faire ou tester, pour le faire un médecin ou bien la prendre et aller dans un site pour le faire le tester. Il y a plusieurs sites qui ouvrent, je suis capable de citer. Pour l'Ouest, je suis capable de citer l'hôpital La Paix, il y a un site à côté de l'hôpital là, qui est exactement collé avec le laboratoire national. Et puis, il y a un autre site dans la clinique Beaulieu, tout près de la faculté de médecine, il y a un autre site qui est là. Donc, nous sommes capables, au moins dans l'Ouest, d'aller dans ce site pour être capable de faire un prélèvement si vous avez un signe avec des symptômes de COVID-19. Là. Si nous avons toussé, nous avons toussé dans le coude de ok? Et puis, nous avons campé deux pas de distance, tout le temps, je me dis, ça me trouve prêt à voir. Quand nous tapis loin, mais on a campé deux pas de distance. Et puis, il y a continué à suivre toutes mesures d'hygiène, de santé publique, toutes mesures que le ministère de la Santé publique a prônées. Donc, merci Téléguinée. Et puis, joyeuse fête à tout le monde. Je voulais dire ça, nous parlons de Noël. Tout le monde a toujours continué à rester vigilant. Il y a une possible maladie. Maintenant, avant que vous ayez sa possibilité pour aller dans toute population, vous avez fait un premier tri, un premier examen pour les gens. Il est important pour décider qui côté dans quelle structure vous voyez les gens. Et c'est ça qui fait pour nous-mêmes, et son gros bagage qui fait là. Et avec, comme ministre dit, possibilité d'expansion, et mais et nous sommes supposés et commencer par là. C'est ça qui fait, et je dis à pour nous, son grande première, et nous espérons, et avec le temps, nous avons des possibilités pour nous élargir, et pour que nous soyons capables de gagner plus de capacité. Nous avons pratiquement 4 lits qui arrangent
mais il y a capacité pour l'instant pour le capable prendre jusqu'à 6 ou 8 parce que il y a l'autre espace que nous fait d'autres et nous mettez d'autres structures d'autres choses là-dedans si nous avons une situation qui mandé pour nous habiliter n'a pas aménagé rapidement c'est ça que fait matériel yo là au cas où nous sommes capables et aménager pour si nous avons gagné des cas suspects qui rentrent sous territoire là. Et ça la pour une diminution de stress pour nous les que un cas potentiel suspect de une maladie pas seulement Covid mais n'importe maladie ça la prête là la balle fonctionnelle même après l'épidémie et Covid là pour nous capables de protéger les populations de introduction d'une possible maladie dans le pays. Pour 15 premiers jours mois de décembre, nous avons plus de cas que nous avons gagné ni dans le mois d'octobre ni dans le mois d'octobre. Ce qui veut dire que c'est évident que nous avons remonté qu'à fait. Et malheureusement, on constate, moi constate, tout le monde constate, la population a baissé, ça n'a pas brûlé la garde, a baissé la vigilance. Et c'est pour ça que dans toute prise de parole, dans tout discours ministère, on a peut-être que nous demandons pour qu'imbé vigilance, respecter les mesures barrières. Et là, on a parlé de mesures barrières. Il y a une mesure qui est universelle et qui est efficace à travers le monde, c'est mettre masque là, mettre sans les cachets, mettre masque là. En dehors de laver mais qui toujours en mesure que toujours préconisé, mais masque là tout qui est indispensable et surtout distanciation physique. Là. Éviter le regroupement de plusieurs monde dans l'espace fermé, si tout si gain monde dans l'espace qui n'a pas un masque. Et surtout, surveiller tout signe. Ces jours-ci, nous avons une période, ça n'est les périodes d'épidémie, de grippe, ces saisons, ces grippes saisonnières-là. Mais en grippe banale, il y a un nombre de temps qu'elle fait sur vous, il y a des signes qu'elle ne va pas avoir. Donc si on sentit grippe là, on sentit d'autres signes, ou bien on a l'impression que ça gagne en plus qu'une grippe banale, il est toujours bon pour aller dans une structure sanitaire, soit où est docteur Pau, ou bien aller dans un centre de santé, ou bien relayer une ligne ministérielle 2020. Particulièrement pour pas capable de bonne instruction pour connaître qui ça pour faire. Donc, par rapport avec ce traitement coronavirus chaud, bon, il y a de cela quelques mois que par rapport avec une baisse qui était gagnée dans le pays, il était dysfonctionnel. Est-ce que par rapport avec remonter ça, il y a une retourner fonctionner dans un petit détail sur. Je ne pas dire le même, j'en dis. Ça n'a pas de dysfonctionnel. Et puis, pas oublier, on centre de traitement exclusivement pour coronavirus, il n'est pas tellement lié à nombre de cas positifs qu'on gagne, il est lié à nombre de malades qu'on pourra gagner, qui ont besoin de soins spécialisés. Il y a des structures qui pas des structures sanitaires a priori que nous avons aménagées pour recevoir éventuels malades Covid, parce que nous avons prévoit, quand toute prévision a fait comprendre que nous avons gagné un pile malade. Évidemment, l'on ne pas gagner un pile malade, structure ça, il vient lourd pour faire fonctionner, court pour te kembe structure là, ouvert, il était de loin très supérieur à service que la pauvre. Donc nous désaffecter structure ça, transférer matériel et équipement dans d'autres structures sanitaires qui étaient déjà existées pour nous faire de Covid la sanrelé une maladie intégrée. Ça veut dire qu'un monde qui gagne Covid, qui mérite une hospitalisation, qui n'a pas besoin de soins très lourds, de soins spécialisés, toute structure qui était prend en charge Kassaro est toujours fonctionnelle. Une seule structure qui est désaffectée dans ce sens parler, c'est peut-être Pax Sportif Canaan, mais nous était déjà dès le début. Entente là, ce n'est pas ton entente qui t'a prêté éternel. Ça veut dire que son bagage que nous te prenons pour une période bien déterminée. Donc, nous pas t'a souhaité arriver dans une situation où nous avons besoin de remobiliser une grosse structure comme ça encore. Avant l'évolution pandémie, nous pas connaît, mais au jour le jour, nous avons gardé ça qui a passé à travers le monde et à travers Haïti. Mais nous espérons, nous pensons qu'avec effort population, avec coup de main, la presse parle de nous pour remobiliser Mounio en termes de protection pour tête et pour entourage, nous ne sommes pas privés dans la situation où nous avons besoin de mobiliser de grosses structures parce que moi, que nous ne pouvons pas gagner un grand nombre de malades ou bien un grand nombre de fatalités si la population respecte les mesures comme il faut.
département qui plus frappé et dans le cadre de la pandémie, dans le cadre de l'épidémie en Haïti, c'est le département de l'Ouest. Donc, je dis c'est là qui est plus cas. Donc, nous mettons bouché double pour nous renforcer la surveillance dans le point d'entrée. Nous mettons bouché double tout et pour nous recommencer avec la campagne de sensibilisation pour permettre aux gens de reprendre, reconnecter avec bonne habitude, garder mes yeux barrières, porter masque, laver mes garder distance pour nous capables de minimiser l'impact que COVID est capable de faire dans le département. L'Office national des migrants. L'Office national de la migration, dont j'ai l'insigne honneur de diriger, voulait profiter de cette occasion pour pouvoir faire dissiper les préjugés contre migrants. Migrants ont contribué en pile dans l'avancement du pays qui a accueilli Yoa et en même temps ils ont contribué dans l'avancement du pays d'origine, la Caillou, côté où sortir. À travers le monde, nous comptons plus de 272 millions de migrants internationaux, bien entendu, parce qu'il y a aussi des migrants internes. C'est ça, nous relier le déplacement des populations à l'interne qui fait dans tout pays qui est sous la terre. Aujourd'hui, c'est jour pour nous célébrer journée internationale ça, parce que dans le temps, il était très difficile pour un monde qui était migré ailleurs pour le travail, pour le jouir des droits civils, des droits politiques. Mais avec la déclaration de New York, migrants et réfugiés, ils viennent de toute importance à travers le monde. Et si on a bien songé, pays Panama, Haïti, on a toujours dit que c'était des Taïnos, des hommes à peau rouge qui étaient habités. Donc, c'est clair, ce n'est pas toujours des Noirs qui ont même dessous de ça. C'est par ce même phénomène de migration que Noirs viennent hériter de Timoutessa. Ça n'a pas de facile, parce que c'était la traite des Noirs en 1503. C'était l'esclavage. Mais aujourd'hui, nous libres sous Timoutessa. Journée internationale migrant, nous célébrons. Parce que j'en dis un migrant côté apport et dans le pays côté à Bible, qui est le pays d'accueil, et dans le pays côté de soutien, qui est le pays d'origine. Cependant, particulièrement nous-mêmes en Haïti, nous voulons mettre accent sur la façon nous avons quitté le pays. Le fait de façon clandestine, en pile monde. Et ça pas sans conséquence. Gagné en pile monde qui mourit en chemin. Nous déplorer ça. Gagné monde, femme, que il est violé. Nous déplorer ça. Gagné monde tout qui est obligé de retourner de manière forcée en deux pays. Parce que il y a vivre une migration irrégulière. Donc ça veut dire l'État haïtien, à travers l'Office national de la migration, est engagé pour réguler le système migratoire en Haïti. Et c'est ça que fait ANEA, thème national que la promote, la débat en deux pays, c'est régulant l'immigration. Côté que l'État responsable que le président Jovenel Moïse a prôné a accompagné tout haïtien de pays
pour capable de gagner au moins une identité, un nom, un prénom, un acte légal qui dit que je suis haïtien. Dans la promotion d'une migration régulière et sûre. Donc c'est vraiment un honneur supporter cette institution haïtienne vraiment active qui, avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Et comme l'a si bien dit le directeur, c'était une période assez difficile, celui du Covid, parce que malgré le Covid, il y a eu des retours forcés. Et nous avons, l'OIM a supporté aussi l'ONM et ensemble nous avons fait un travail assez poussé pour pouvoir permettre la dignité des migrants qui retournent. Il y a aussi, pendant la période du Covid, il y a eu avec le MSPP, on a pu travailler sur un protocole de la frontière qui permet aux migrants de faire des retours plus sûrs. Donc, je félicite le travail de l'ONM pour avoir aussi fait ces deux spots qui promulguent la migration régulière. Donc je félicite grandement l'ONM et l'OIM, il est toujours en support de l'ONM avec un grand plaisir et pour moi c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Merci à vous tous. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne là et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.